Et bonjour à tous, c'est Doc de la communauté Symposis, engagé au sein de la Fagal pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Star Citizen. Chose promis, chose due, je vais vous présenter un javelin du constructeur Aegis. Mais pas n'importe lequel, le javelin qui sera le javelin état-major de la Fagal. Alors, l'Aegis javelin, il est pas rare, il est exceptionnellement rare. On en trouvera quelques-uns dans le jeu, mais très peu dès la sortie de Star Citizen. Eh bien, la Symposis a déjà le sien, sans compter les Idris et Polaris que l'on possède déjà. Alors pourquoi un javelin état-major? Eh bien parce qu'il servira de transport d'autorité, il permettra les réunions de ces dernières et servira de commandement mobile pour toutes les missions de la Fagal. Le javelin, c'est un destroyer conçu à la base pour être utilisé pour les missions militaires de l'UEE. C'est un navire capital massif de 345 mètres de long, 148 mètres de large et 65 mètres de haut. Et pour une masse encore inconnue, ça fait quand même un beau bébé. Avec un intérieur très détaillé, beaucoup d'options de salles modulaires et une capacité d'équipage élevée, le Javelin est un navire destiné à jouer en groupe, même s'il sortira avec la campagne solo Squadron 42. A bord de notre fameux Javelin, on trouve alors déjà la passerelle qui est lourdement blindée et prête à accueillir la douzaine de membres d'équipage qui superviseront le destroyer. Des nacelles d'évacuation leur permettront aussi de s'échapper en cas de dernier recours évidemment, et seront récupérables par des vaisseaux de transport type Argo. Ensuite, le pont supérieur, ou royaume des officiers comme on l'appelle, il aura pour rôle d'héberger avec tout le confort qui se doit les autorités du vaisseau. Avec ses 6 grandes salles modulaires, il permettra aussi aux autorités de la Fagal de faire des réunions, de planifier des guerres ou des défenses. Les baies modulaires pourront également accueillir des pôles scientifiques ou médicaux, ou toute autre spécificité offerte par les constructeurs de modules civils ou militaires. Le pont intermédiaire accueille l'équipage et les postes de travail. D'abord militaire, offensif ou défensif, on y trouve l'accès à 6 tourelles sur les 13 que l'on compte à bord du javelin, ainsi que 2 salles de torpilles avec chacune 2 baies de tir, ça fait quand même 4 baies de tir de torpilles. Le flanc bâbord du vaisseau donne accès au hangar, à la baie médicale et au quartier de détention, tandis que le flanc tribord, lui, comprend 2 zones distinctes de quartier d'équipage, des douches, des toilettes et le mess pour manger. Ensuite, le pont inférieur comprend 6 soutes, 2 installations d'ingénierie et l'accès à la colonne motrice. C'est d'ici qu'on accède aux 2 tourelles STS, donc des tourelles qui seront lourdement armées. On y trouve aussi 4 des 6 pièces du vaisseau pour les composants. Le hangar du pont inférieur est un hangar pour vaisseaux, mais pour petits vaisseaux. Il est destiné à accueillir un Redeemer à la base ou d'autres vaisseaux de taille similaire, voire plus petits, comme par exemple on pourra y mettre 2 M50 ou alors 2 Aurora et même jusqu'à 4 Merlin. Enfin, le pont secondaire ou sous-pont aura aussi des fonctions d'ingénierie. Les 6 pièces personnalisables et interchangeables du vaisseau font du javelin une base, un châssis qui pourra être adapté à différents rôles selon les missions et les pièces choisies. En fin de compte, ce javelin état-major sera clairement le porte-flingue de toute la Fagal. Alors l'équipage de notre javelin n'est encore pas complet. On recherche encore des ingénieurs, des gunners, des pilotes, des maintenanciers, des radaristes, des officiers de transmission et de communication, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé par la Symposis, la Fagal, voire même par faire partie de l'équipage du prestigieux javelin état-major, vous pouvez joindre Sunrider, moi-même ou n'importe quel autre membre de la Symposis en nous rejoignant sur le Teamspeak ou via le site de la communauté. Et voilà, c'est la fin de cette présentation du javelin état-major de la Fagal. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne exploration dans ce bel univers. Ciao, bye bye.